20 minutes. Voilà, je suis en petite pause. Je suis en pause. 20 minutes au Japon. Non, 20 minutes au Vietnam. C'est le vrai point. 20 minutes au Vietnam. 20 minutes au Vietnam avant la reprise. Voilà. Donc, partagez ceux qui veulent partager. Ne partagez pas ceux qui ne veulent pas partager. C'est le vrai point qu'elle a. Ceux qui veulent mettre les cœurs, ils mettent les cœurs. Ceux qui ne veulent pas mettre les cœurs, c'est à eux de voir aussi. Chacun voit midi à sa porte. Voilà. Parce que j'ai pas le temps, j'ai que 20 minutes. Donc, je vous demande à ceux qui veulent partager de partager la vidéo. Maintenant, ceux qui veulent pas partager, bon, c'est eux qui voient quoi. C'est ça. Je parle à mes personnes. Je parle à mes personnes qui me suivent depuis fort longtemps, qui n'ont qu'à savoir que, oui, être femme aussi, c'est une parole. Il y a femme et puis il y a femme. Il y a mousseau et puis il y a mousseau. Voilà. Où je suis au travail là. Souvent, il y a des gens qui meurent dans ma main. Hein? Il y a des gens qui jadent dans ma main. Hein? Donc, ce que je vois à l'hôpital là, il n'y a personne qui peut m'effrayer. Je vois cadavre. Je vois cadavre. Donc, si moi-même déjà je vois cadavre, au travail, vous pensez que c'est être humain qui respire comme moi là que j'ai déjà avoir peur? Je vois cadavre. Donc, c'est pas être humain qui peut m'effrayer. C'est le vrai point. Dans vos conneries que vous êtes en train de faire là, quand je vous regarde, mais vous me faites rire. Vous me faites rire. Quelqu'un qui voit tout ce qui se passe dans la terre, c'est-à-dire que ceux qui sont dehors n'ont rien à voir avec ceux qui sont comment on appelle, ceux qui sont à l'hôpital, dans les milieux hospitaliers, où on voit toutes sortes de mauvaises choses. Ils voient ça tous les jours. Il y a quelque chose qui a m'effrayé encore. Il y a quelque chose qui a m'effrayé, moi, sur la terre, là. Tout ce que je vois, chaque jour, quand je viens au travail, il y a quelque chose qui a m'effrayé. Rien. Rien ne peut m'effrayer. Donc, cherchez encore. Cherchez encore quelque chose qui a m'effrayé. C'est parce que il y a des jours, on essaie de doser par rapport à par rapport. Par rapport à par rapport. Sinon, on a fini le malpalage. On a fini la vulgarité. Vulgarité, mais on a l'impression que c'est nous-mêmes, on a payé ça. C'est le vrai point. Bon. Il y a des gens. Il y a un petit là qui est sur la toile. Qui se prend pour les fesses du pape. Lui, il se prend pour les fesses du pape. Ça dit qu'il s'est donné de la contenance. Il s'est donné un genre, une manière de se permettre d'insulter les gens quand il veut. Ça dit quand il se lève là, il prend la femme et puis il déshabille la femme. Et puis il l'insulte et puis il dépose. Et puis il n'y a rien devant. S'il n'y a rien devant, lui, il a fini de parler puis il roule. On regarde, on dit non, on n'a pas envie de rentrer dans la boue. On n'a pas envie de faire pareil. Pareil, c'est trop sale, c'est trop vilain. Mais arrivé un moment de la vie là, et trop, c'est trop. Et puis stop. C'est le vrai point. Arrivé un moment là, trop, c'est trop. Et puis stop. C'est le vrai point. Je vais partager la vidéo là. Ceux qui veulent, ils partagent. Ceux qui veulent, ils laissent. C'est pas grave. J'ai que 20 minutes. Hein. Chape, chape, et puis je quitte là. Personne ne m'a vu venir. Vous m'avez pas vu venir. Vous avez trop vu la madre, elle est trop calme. La madre est trop calme.
Son image, elle n'aime pas trop se salir, elle fait un genre. Comme elle est mariée, là, elle peut pas utiliser les mots. Elle est mariée, oh. À cause de ça, comme elle est mariée, là, elle peut pas se permettre d'utiliser. Entends, la madre a fini, elle, ça. La madre a fini, elle est zinzin. La madre a fini, elle, sa tête est mélangée. Le chef même au courant. Donc, avant de commencer, là, il est dit, parce que quand il commence, là, tant que mon cœur n'est pas froid, il ne m'arrête pas. Donc, il ne commence pas. C'est ça le vrai point. Vous voyez quelqu'un qui se lève le matin, il met. Quelqu'un qui se lève le matin, il met. Ça dit une femme qui est à la maison. Elle prend un matin même. Chose, comme on appelle, elle met musique, elle commence à danser seule. Elle commence à danser seule dans sa maison. C'est-à-dire, elle en joie seule. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas demandé que quelqu'un qui se lève matin, elle met musique, elle danse seule. Quelqu'un, son zinzin va commencer là, c'est grave. Vous n'êtes pas demandé ça. Toi qui passes ton temps, tu es fatigué à venir mettre tête de moi. Tu n'es pas. Pardon. Tu n'es pas fatigué à venir mettre tête de moi à chaque fois. C'est quoi? On t'a appelé ici? Tu n'es pas fatigué à venir mettre tête de mort? On t'a appelé ici? Vous savez, je ne vais pas tarder, je vais faire vite comme j'ai 20 minutes. Comment on appelle, le plongeur là, ce petit plongeur qui pense que il a le monopole de tout sur la terre là. Vous savez, quand Gayakou, tête de brique 20, mais brique 12 là, est sorti pour faire une vidéo. Parce que par rapport à la Lib par rapport au comité des blogueurs et influenceurs, j'ai fait deux vidéos. J'ai fait deux vidéos et puis j'ai vu que ce plongeur-là est sorti pour faire une vidéo. Quand il a fait la vidéo, il a pris parti en même temps. Il a commencé à me descendre dans la vidéo sans savoir le pourquoi je suis sorti pour attaquer Gayakouté Brick 20. Il n'a pas compris ça. Comme lui et moi, là, il y a quelque chose entre lui et moi. À chaque fois que je suis dans une histoire, il pose sa caméra, il m'insulte. Il pose sa caméra, il m'insulte. J'ai vu sa vidéo. Ça n'a rien à voir avec mensonge qu'elle est venue mettre là. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'était par rapport au comité des blogueurs. J'ai fait une vidéo. Vous-même, vous avez vu, elle tapait même sur la table et tout et tout. Quand j'ai fait la vidéo là, le petit plongeur là a mis sa caméra. Il m'a traité. J'ai regardé sa vidéo. Au lieu de venir répondre à ce petit plongeur là, vous savez ce que j'ai fait? Vous savez ce que votre madre a fait? J'ai pris mon téléphone en tant qu'une grande femme. Je suis rentrée dans le téléphone de ce petit morveux là. Je suis rentrée dans le téléphone de ce petit morveux pour lui dire que est-ce que tu connais quel est le problème? Et puis tu prends parti et puis tu me descends dans deux histoires de deux amis. Tu n'es pas au courant de quoi que ce soit et puis tu prends parti pour venir me descendre sans savoir ce qui se passe. Tu as déjà pris parti. Ce petit morveux là a déjà mis sa caméra, a commencé à m'insulter. Je vais vous savez. Depuis que les gens d'à côté, depuis que les gens ont dit qu'on enregistre là, la madre est devenue numéro 1 d'enregistrement. Allez-y, il a dit ça. Allez-y, il a dit que je suis devenu numéro 1 d'enregistrement. J'enregistre tous ceux qui me rentrent dans mon youpli. Tous les blogueurs qui rentrent dans mon youpli, je les enregistre. Je vous parle ça. Je vais vous écouter quand il a fait son live. Je suis rentré dans son téléphone pour lui dire, mon petit, tu ne peux pas prendre parti parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Là, l'enregistrement est là. Je vais vous faire écouter. Partagez d'abord la vidéo. Partagez. Parce que je pensais que c'était une personne que on pouvait appeler pour, ça dit, on pouvait appeler au moins les sentinelles de l'esprit. Comment tu vas? C'était une personne qu'on pouvait appeler pour dire, ah, mon petit, toi-même tu n'es pas au courant de quelque chose. Pourquoi tu prends parti et puis tu m'insultes comme ça? Je pensais que c'est quelqu'un qu'on pouvait appeler pour raisonner parce qu'il n'est pas au courant de l'histoire. Il ne sait pas pourquoi j'ai fait une vidéo contre Gayakoutex. Donc, quand j'ai vu qu'il est sorti, il est sorti en train de m'attaquer en tant qu'une grande femme qui se fait respecter, qui veut qu'on la respecte.
J'ai dit, au lieu de venir répondre au petit là, je vais rentrer dans son youpli, je vais lui demander, mais pourquoi il prend parti comme ça, sans savoir le pourquoi du comment, la madre soit attaquée Gayakoutets. Et puis, je pouvais mettre ma caméra et puis venir le répondre, chap chap. Je pouvais mettre ma caméra pour venir l'insulter, mais j'essayais de jouer à la grande. Et puis, je suis rentré dans son téléphone pour dire, non, mon petit, à chaque fois quand tu vois les vidéos sur la toile là, tu m'attaques. À chaque fois que tu vois, tu ne comprends pas, tu m'insultes. Je ne sais pas quel est le problème entre toi et moi, mais quand tu ne connais pas une histoire là, il faut prendre la peine d'appeler pour savoir ce qui se passe. Ne me prends pas toujours parti à m'insulter. Partagez la vidéo là. Parce que vous dites souvent, essayez de régler les problèmes en inbox. Essayez de régler les problèmes. Même quand on règle les problèmes en inbox, quand on veut faire comprendre aux gens, les gens vous manquent de respect. Les gens sortent pour vous manquer de respect. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Attendez, partagez d'abord. Il me reste 15 minutes. À part mes personnes, à part les gens que je connais, à part les personnes, tous les autres qui vont m'appeler, ils sont enregistrés au calme. C'est le vrai point. J'ai partagé encore. Que non, elle est une femme, elle se respecte. De toute façon, je me respecte là. De toute façon, je me donne de la valeur là. De toute façon, il me respecte. L'homme même qui est à la maison, il me respecte. L'homme même qui est à la maison, il me respecte. Parce que où moi-même, je me suis mise là. Où moi-même, je me suis positionnée là. L'homme même qui est à la maison là, il me donne mon respect. Je ne suis pas une femme où tu as marié et puis tu as fait comme ça fait rien. Ah non, 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 non. À 50%, tu as le respect. 50%, il y a mon respect. Ensemble, on met ensemble, ça fait 100%. C'est le vrai point qu'elle a. Pas une femme qui a marié et puis tu as voulu jouer. Tu m'as bien regardé. Moi, je me lève à 4h du matin, je vais chercher mon djer. Je me lève à tout, je travaille, je suis dynamique, je suis guerrière. Tu as me gérer pour me faire yo-yo, tu m'as bien regardé. Peine que vous êtes les femmes qu'on malmène, on joue, on dirait ping-pong là. Vous m'avez bien regardé. Vous m'avez bien regardé ou bien? Où est ma vidéo là? Mais il y a partagé chap-chap et puis on quitté là. Il y a mis le voice et puis il y a allé travailler. Une femme qui se lève à aller chercher son djer. Depuis même elle est petite, elle se gère. Elle s'est toujours cherché. Partagez la vidéo là. Ceux qui veulent partager, partagez. Ceux qui ne veulent pas, il y a 10 minutes et puis elle m'en va. Partagez encore. 220 là, c'est pas beaucoup. Au moins 300, 500, partagez. Il y a vous mettre le voice pour dire que quand tu as des petits frères là, tu rentres dans les youpli quand quelque chose ne va pas pour leur demander, mais la vidéo que tu es en train de faire là, est-ce que tu as compris le sens et puis tu m'attaques? Je vais vous faire écouter. Faut dire à tes gens là, ils n'ont qu'à arrêter. Faut dire à tes gens là, ils n'ont qu'à arrêter. On dit que toutes les vidéos sont chez M. Adou Richard. Pour toi-même, chez M. Adou Richard là-bas. Il est téléchargé, c'est déjà arrivé là-bas. Comme on t'a dit que je trompe mon mari là. Pour toi-même, il est déjà arrivé chez Adou Richard là-bas. Mon travail même qui me donne à manger là, tu dénigres ça. Tu as dénigré ça. C'est là-bas. Toutes les vidéos là, c'est là-bas. Bon, il me reste 10 minutes. Je vais vous faire écouter ça, chap, chap, et puis je m'en vais. Partagez la vidéo là, je vais vous faire écouter chap chap et puis je m'en vais. Voilà. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Voilà, on va écouter.
Je me répète, je dis la dernière fois, ce qui concerne comité des blogueurs et influenceurs, je suis sortie le jour-là même, j'avais mis plein de pagnes sur mon canapé, ceux qui m'ont bien regardé. Quand j'ai fini de parler de ça, là, ce petit morveux là, de Luco là, ce petit morveux de Luco là, Luc Hémorroïde s'est trompé pour venir sur ses lèvres là, est sorti me faire une vidéo bizarre. Parce qu'il a tranché, il a pris parti de Gayakoutet, Brick 20. Ça m'a tellement choqué, je lui ai dit, mais lui là même, là, deux amis sont en train de faire palabre. Deux amis font palabre, il ne sait même pas le sens de quoi. Moi-même, je lui ai fait quoi sur Facebook. Et puis, il me déteste comment. Il vient prendre parti de tranche. Donc, ça dit, au lieu de venir répondre à son. De venir répondre à sa vidéo là, moi-même, je vais l'appeler pour savoir pourquoi il agit comme ça. Donc, on va écouter, puis y aller bosser. Mes Amazon, ceux qui m'insultent là, vous les insultez propre. Vous êtes sur votre page. Vous êtes sur votre page, la page de la madre. Ceux qui m'insultent, vous les insultez propre. Et puis on avance. Voilà. On va écouter. Hein. Bonjour. Bonjour Lénix, c'est Francine Ba. Bonjour. Bonjour Lénix, c'est Francine Ba. Oui. Voilà. Je viens de voir ton live tout de suite là. Ouais. Voilà. Et tu as dit, quand ta camarade t'appelle, elle te parle d'un projet. Ma camarade t'a dit qu'elle m'a appelé pour me parler d'un projet. Non, mais parce que ce que vous avez relaté là, ce que vous avez relaté, c'est ce qu'elle m'a dit au téléphone. Donc, je me suis dit que. Non. Ah non, quand on ne sait pas quelque chose, s'il te plaît. Ben, j'ai remarqué non, souvent. Voilà que... Je ne t'ai pas parlé en mal. Non, tu as dit que c'est ridicule quand ta camarade te parle. Non, elle ne m'a pas eu au téléphone. Non, mais vous êtes toujours ensemble. Donc, non, on n'est pas toujours ensemble. Tu ne sais pas. Voilà, il faut. Fais le rapprochement. C'est à toi de me dire que non, les choses se passent. Voilà, faut pas. Bon, c'est pour ça que je t'ai appelé pour te dire quand on ne sait pas. Parce plus souvent, on ne sait pas des choses et puis on se met en live et non, on en dit. Après moi voilà. ce qui m'a écœuré, c'est voilà. Qu'est-ce qui t'a écœuré? On est en train de parler de quelque chose, bon, ça parle de ça en inbox, hein. Mais ça, déjà, ça personne ne m'a parlé de ça. Sur les réseaux sociaux. Voilà, on ne m'a pas encore parlé de ça. Donc quand tu fais ton live, il faut te renseigner avant de dire, voilà. Parce que quand je suis sur ton live et puis tu me dis, tu parles avec ta copine en inbox et puis tu viens sur les réseaux. Je ne suis pas un enfant. Ouais. S'il te plaît. Ah ouais, d'accord, bon, voilà. Je suis désolé. Alors. Je n'ai pas eu au téléphone, je n'ai parlé à personne, donc tu ne non, sais pas le problème. Je suis désolé déjà. Voilà. C'était juste pour te dire que là, c'est faux. Tu peux bien lui demander. Je ne veux pas que vous deux, en fait, tu vois, non. Non, parce que je suis sur direct, c'est pas trop cool, quoi, tu vois. C'est pas cool, donc il faut savoir, va réécouter ta vidéo, parce qu'il y a un parti pris là-dedans, et j'aime pas de parti pris. Non, mais c'est parce que je me dis, elle a ouvert son projet. Et ça mais elle a ouvert son projet, mais je n'ai rien à foutre, mais je ne suis pas au courant du projet. Donc quand elle fait. Quand tu parles comme ça, c'est pas juste. Non, quand tu dis elle a ouvert son projet, mais quand elle a ouvert son projet, c'est son projet, mais son projet ne peut pas forcément, je sais pas comment dire, m'intéresser. Mais quand tu n'as pas. Quand tu n'as pas tout le monde en ligne, que tu viens, j'ai un live et puis tu dis il y a ça, il y a ça. Donc vous êtes déjà entendu. Je me suis dit qu'elle ne peut pas m'appeler. Demande-lui d'abord. Parce que là, je vais. Ah, c'est qu'on va, on va, on va. Voilà. C'est pas un problème. Voilà. Parce que c'est pour ça que j'ai vu ton live. J'ai dit, mais il ne sait pas ce qui se passe. Et il dit non. Ah. Voilà. C'est comme si j'ai parlé avec elle. Je suis pas un enfant. Parler avec elle, puis je viens faire un live. Je suis pas un enfant. Sachant lit quand même sur les lignes. Après, tu me diras quoi? Tu me diras que ah, tu as mis avec Lolissi. Si Lolissi a fait un dégât, normalement, forcément, tu vas penser que moi et elle, on a parlé en mode univers, c'est sûr. Moi, je vais mettre un live pour dire que, ah, sûrement Loli a parlé à tout. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Non, mais moi, je me dis que tout le monde est en train d'adopter le projet et les conditions qu'elle m'a exposées. Je me dis que c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà, mais je me suis dit ça comme ça. Et puis après, je vois encore, ça commence à se titiller. Je dis, bah, ok. Elle ne peut pas m'appeler. Voilà, donc pour te dire. Donc, c'était juste pour te dire que ne crois pas que on m'a parlé en inbox. Voilà, on m'a appelé. Je m'a parlé en inbox. J'ai fini de causer en inbox. Et puis, j'ai mis ma caméra. Et puis, je vais faire une vidéo quand même. La moindre chose quand même. Non, on ne peut pas faire ça. Voilà, c'était juste pour te dire que voilà, je n'ai pas eu d'appel. Et puis, on a parlé. Puis, je viens mettre ma caméra. C'est juste pour te. Non, tranquille. C'est juste pour te faire. Voilà, c'est juste. Voilà. C'est un truc qui n'a rien à voir avec le truc. C'est un truc. Ok, merci. C'était juste pour éclaircir ça avec toi. Comme je.
Je t'estime bien, je te respecte. Je dis non, il ne faut pas qu'il s'arrête sur des incompréhensions, ça n'a rien à voir, c'est un truc personnel. Voilà, juste ça. Je comprends. Voilà. Je comprends. Ok, merci bien de. Merci, bonne soirée. Il n'y a pas de merci, toi. Merci. Vous voyez, vous dites non que, hein, on est sur la toile, on se lève, on répond à tout et à n'importe quoi. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, où il y a un petit frère qui sort te manquer, tu te dis, au lieu de venir répondre là, tu prends ton téléphone pour lui demander, mais la vidéo que tu as faite là, je ne comprends pas. La personne te parle avec respect au téléphone, il te parle avec considération au téléphone, mais devant les internautes, il vient te brabaisser, il vient te minimiser, il vient t'insulter. Et c'est pas si vous vous comprenez. Il vient te minimiser, il vient t'insulter aux yeux du monde. Oh, pourtant, quand il est au téléphone avec toi là. Bonjour. Bonjour Lunix, c'est Francine Ba. Oui. Voilà. Je viens de voir ton live tout de suite là. Partagez. Voilà. Et tu as dit, quand ta camarade t'appelle, elle te parle d'un projet. Il est sorti sans comprendre pourquoi je suis en train de me clasher avec Gayakou Tete. Hein? Il est sorti sans réfléchir pourquoi je suis en train de me clasher avec Gayakou Tete. Il a mis sa caméra, il a pris parti de Gayakou Tete, il est en train de m'insulter. Direct. J'ai regardé ça, j'étais choqué. J'ai dit aïe, deux amis qui sont en train de faire palabre. Toi tu mets caméra puis tu insultes l'autre. Je suis rentré dans son youpli pour lui dire non, je ne suis pas d'accord du tout. Merci. Ma camarade t'a dit qu'elle m'a appelé pour me parler d'un projet. Non, mais parce que ce que vous avez relaté là, ce que vous avez relaté, c'est ce qu'elle m'a dit au téléphone. Donc, je me suis dit que. Ah non, quand on ne sait pas quelque chose, s'il te plaît. Ben, j'ai remarqué non, souvent. Mais voilà que. Je t'ai pas parlé en mal. Non, tu as dit que c'est ridicule quand ta camarade te parle. Non, elle m'a pas eu au téléphone. Non, mais vous êtes toujours ensemble. Donc, non, on n'est pas toujours ensemble. Tu ne sais pas. Voilà, il faut. Tu fais le rapprochement. C'est à toi de me dire que non, les choses se passent. Voilà, pas, faut pas. Bon, c'est pour ça que je t'ai appelé pour te dire quand on ne sait pas. Parce plus souvent, on ne sait pas des choses et puis on se met en live et non, on en dédie. Après moi voilà. ce qui m'a écœuré, c'est ouais. Qu'est-ce qui t'a écœuré? On est en train de parler de quelque chose, bon, ça parle de ça en inbox, hein. Mais ça, déjà, ça personne ne m'a parlé de ça. Sur les réseaux sociaux. Voilà, on m'a pas encore parlé de ça. Donc quand tu fais ton live, faut te renseigner avant de dire voilà. Parce que quand je suis sur ton live et puis tu me dis, tu parles avec ta copine en inbox et puis tu viens sur les réseaux. Je suis pas un enfant. Ouais. S'il te plaît. Ah ouais, d'accord, bon, voilà. Je suis désolé. Alors. Je ne l'ai pas eu au téléphone, je n'ai pas la personne, donc tu ne non, sais pas le problème. Je suis désolé déjà. Voilà, c'était juste pour te dire que là, c'est faux. Je peux bien lui demander. Je ne veux pas que vous deux, en fait, tu vois, non. Non, je suis sur direct, c'est pas trop cool, quoi, tu vois. C'est pas cool, donc faut savoir, va réécouter ta vidéo, parce qu'il y a un parti pris là-dedans, et j'aime pas de parti pris. Non, mais c'est parce que je me dis, elle a ouvert son projet. Et ça elle a ouvert son projet, mais je n'ai rien à foutre, mais je ne suis pas au courant du projet. Donc quand elle fait. Quand tu parles comme ça, c'est pas non, quand tu dis elle a ouvert son projet, mais quand elle a ouvert son projet, c'est son projet, mais ça ne, son projet ne peut pas forcément, je sais pas comment dire, m'intéresser. Mais quand tu n'as pas, quand tu n'as pas tout le monde voilà, en ligne, que tu viens, j'ai un live, et puis tu dis il y a ça, il y a ça. Donc vous êtes déjà entendu. Je me suis dit qu'elle ne peut pas m'appeler. Demande-lui d'abord. Parce que là, je vais. Ah, c'est qu'on va, on va, on va. Voilà. C'est pas un problème. Voilà. Parce que c'est pour ça que j'ai vu ton live. J'ai dit, mais il ne sait pas ce qui se passe. Et il dit non. Ah. Voilà. C'est comme si j'ai parlé avec elle. Je ne suis pas un enfant. Parler avec elle, puis je viens faire un live. Je ne suis pas un enfant. Sachant lire quand même sur les lignes. Après, voilà. Tu me diras quoi? Tu me diras que ah, tu as mis avec Loli ici. Si Loli sort pour faire un direct. Mais si tu as mis Loli, que Loli sort avec pour faire un direct, ça ne veut pas dire que forcément Loli t'a contacté? Donc, vous marchez en binôme, quoi. C'est pour ça que tu dis, donc, oui, elle a appelé l'autre pour dire que je vais faire live. Toi aussi, tu as fait live. Tu penses que moi, toi, parce que tu marches, elle, Loli, clopant. Tu penses que nous, on fait ça aussi? Ça veut dire que si là-haut, on sort, c'est que tu es au courant. Les gars, normalement, forcément, tu vas penser que moi et elle, on a parlé en mode univers, c'est sûr. Parce que moi, je vais mettre un live pour dire que, ah, sûrement, Loli a parlé à tout. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Non, mais moi, je me dis que tout le monde est en train d'adopter le projet. Et les conditions qu'elle m'a exposées, je me dis que c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà, mais je me suis dit ça comme ça, et puis après, je vois encore. Les conditions qu'elle a exposées, Gayakou Tete, là, c'est bénéfique à tout le monde. Mais vous l'avez abandonné, non? Gayakou Tete a posé une condition, mais pourquoi tu n'es pas resté Gayakou Tete? Voilà, fait de Gayakou Tete, tu as chargé pour venir m'insulter là, mais Gayakou Tete est où, est-vous?
Gayakoutet est où, est vous? Tu as chargé à faire des Gayakoutet. Tu m'as insulté dans un live. Elle est où? Gayakoutet que tu défendais, puis tu es venu m'insulter là. Elle est où, est vous? Elle est où, est vous? Une personne sans personnalité. Une personne sans personnalité. Tu as chargé à faire des Gayakoutet pour m'insulter là. Elle est où? Elle est où, est vous? Quand on ne connaît pas, on tombe dans sac à crabe. On tombe à sac à crabe. Tout ça pour pouvoir faire les aide-moi détester. Pour se mettre en position pour détester Pierre ou Paul. Elle est où, est vous? On commence à se titiller. Je dis, bah, ok. Elle ne peut pas m'appeler. Voilà. Ah. Donc, on te dit. Donc, c'était juste. Si j'ai fini, ça vous dit. Je ne crois pas qu'on m'a parlé en une dose. Voilà. On m'a appelé. Je m'en parle en inbox, j'ai fini de causer en inbox, et puis j'ai mis ma caméra, et puis je vais faire une vidéo quand même. La moindre chose quand même. Non, on ne peut pas faire ça. Je ne suis pas au courant de ça. C'est un problème de personne, ça ne te regarde pas. C'est un problème de personne qui ne te regardait ni d'Adam ni d'Ève, mais tu as mis ta caméra pour venir parler. Mettez les cœurs. C'est un problème de personne qui ne te regardait pas, mais tu as mis ta caméra, tu as parlé. J'étais obligé de rentrer dans ton téléphone pour te dire non, il faut arrêter ça. J'étais obligé de rentrer dans ton téléphone. Parce que les gens ne connaissent rien sur la toile. Quand tu viens répondre, il t'a fait quoi? Le petit t'a fait quoi? Puis tu lui réponds. Tu passes ton temps à m'insulter. Tu penses que je suis ta camarade? Tu penses que je suis ta camarade? Voilà, je n'ai pas eu d'appel. Et puis on a parlé. Puis je viens mettre ma caméra. C'est juste pour te. Non, tranquille. Non, tranquille, tranquille, la daronne. Tranquille, la daronne. On est ensemble. Tranquille, la daronne. Quand tu es au téléphone, là, c'est la daronne. Quand c'est au dehors, là, tu vas venir insulter le baïkan, insulter les nierins de la daronne. Quand tu es au téléphone, là, oui, tranquille, la daronne. Mais quand c'est au dehors, là, tu vas insulter le bas de la daronne. Impoli. Voilà. C'est un truc qui n'a rien à voir avec le truc. C'est un truc. Ok, d'accord. C'était juste pour éclaircir ça avec toi. Donc, j'ai fini. Voilà, c'est pour te dire que. Voilà, tes conneries que tu fais là, va blaguer tes abonnés. Va blaguer tes abonnés. Moi, je suis une femme digne, une femme respectable, une femme qui sait ce qu'elle fait et où elle va. Très digne. Ça dit épaule carrée. Tu connais une femme qui a épaule carrée. Je suis carré dans mes bottes. Je suis carré dans mes bottes. Vous allez apprendre à me connaître. Je suis carré dans mes bottes. Je sais où je vais. Je sais ce que je vais. Je fais. Très carré dans mes bottes. Je suis une femme là, je dandine pas. Quand je te dis c'est A, c'est A. Quand je te dis c'est B, c'est B. C'est comme ça. C'est pour ça que je me nomme la guerrière et la mazoune. Bisous, je retourne à mon poste. C'était juste une parenthèse. Moi, on est dessus. À nous aller pour la capitale. D'après toi, il y a réconciliation. Où tu vas te réconcilier là? Nous, on veut voir ça. Tu as fini d'insulter les cons, les pines, les tout. Et puis tu as venu te réconcilier avec qui? Nous, on veut voir ça. Mes Amazones et mes guerriers, je suis au garde à vous. Je retourne au service. Je suis venu pour barrer, je suis venu pour chercher mon Dieu. Il est heureux, je retourne. Je suis arrêté comme un piqué. Je suis calé. Moi, je suis une femme, mais tu ne me terrasses pas comme ça. Avant de me terrasser, il faut avoir beaucoup. Je suis mousseau même. Je suis mousseau et grand F pour me terrasser là. Ah non, il faut être champion. Tu penses que c'est tout le monde qui prend caméra? N'importe quoi. Allez, bisous. Mes patients m'attendent. Mes patients m'appellent. À nous aller pour la capitale. Mes Amazones, je suis au garde à vous. Amazon toujours. Amazon au Koi. Amazon arrêté. Amazon en fonce. Il n'y a rien devant. S'il y en a là, c'est que c'est génie. À nous aller. Je suis parti. Ciao.